Salut les chefs toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Moi je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire des pralines roses. C'est un petit bonbon venu de Lyon. C'est croustillant et c'est super bon. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Et pour les pralines roses, il me faut 1/2 cup. Je commence par verser le sucre dans l'eau. J'ajoute le colorant rose. Vous pouvez soit l'utiliser en poudre ou bien en gel. Je mets à cuire l'ensemble jusqu'à 125 degrés. C'est ce qui va nous donner un sucre cuit. Hors du feu, j'ajoute les amandes et je mélange le tout. Le caramel va commencer à cristalliser. Comme vous le voyez, ça commence à durcir et ça va donner une texture sableuse. Comme vous le voyez, ça a donné une texture très sableuse. Je remets sur le feu et je continue de mélanger sur feu moyen. Il faut que ça enrobe bien l'amande et le caramel va fondre au fur et à mesure. Je n'hésite pas à mélanger pour éviter que le caramel ne cuise trop. Les pralines sont enfin prêtes, je vais pouvoir les débarrasser et les mettre sur un papier sulfurisé. Attention de ne pas vous brûler. Une fois bien refroidies, je commence à séparer les pralines une à une. Et voilà ce que ça nous donne, quelque chose de bien croustillant, bien gourmand et très savoureux. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre plein de pouces bleus, ça aide énormément à la chaîne. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. De partager un maximum et en commentaire, dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une recette avec des pralines roses. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et là, j'ai vraiment envie d'en goûter une. On va essayer.